so long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you. Ma parle avec peuple haïtien et nous connaît pour nous parler avec peuple là, c'est médium là, c'est presse là. Ma salue presse parler écrite à télévisée là, journaliste qui est ensemble avec nous là et me profiter. Dans ce moment ça pour me voir sympathie pour journaliste, je voulais parler de correspondance coupe FM dans Gonaïve, qui est même dans le moment où nous avons un point de presse dans le monde et puis une réplique de 5.2, c'est ça, qui débat une situation de panique qui journaliste croit que les gens ont fracture dans le bras gauche, je crois. Je voyais toute sympathie moi à Radio et Télévision Scoop FM et journaliste en tout. M'a dit que hier de 8h11, le tremblement de terre a fini de passer, jusqu'au moment où on a parlé à là, tout responsable l'État yo, yo à pied d'œuf. Je parle avec le premier ministre qui était dans une retraite gouvernementale. D'ailleurs, le ministre qui l'a, lui-même, il était dans la retraite là avec lui. Depuis 8h15, nous avons communiqué pour une réponse qui était portée. D'ailleurs, pour ne pas attendre, c'est le lendemain, en parlant du matin, il y a des réponses qui étaient portées sur le département. Il faut nous dire que Comité national de gestion de risque des désastre, qui sont comités permanents, qui est là dernier Premier ministre, ça veut dire c'est le Premier ministre qui chef lui, et ministre des Travaux publics, ministre de la Santé publique, ministre de Planification, ministre de Défense, et puis avec Croix-Rouge haïtienne. Comité ça a activé, comme dit, depuis hier soir. Et ministre de la Santé publique, là, qui lui-même, rapport que je gagné, il a gagné un travail pour une ambulance aller dans le nord-ouest. Et non seulement nous voulons parler de l'ambulance qui a gagné dans le département, et a gagné ambulance qui sortit tout dans le département, partie bonite. C'est ça qui te permet l'évacuation blessée ou te fait rapidement dans la ville Port-de-Paix pour aller dans l'hôpital qui est là pour ça. Je voulais parler de l'hôpital Beraka, que je remercie responsable et puis l'autre centre hospitalier qui est mis dans la ville Port-de-Paix, que je remercie responsable tout, et l'hôpital Immaculée Conception qui était servi et dans l'hôpital autrichien que je connais dans Saint-Louis du Nord, qui te travaille tout, pour te bailler gros coup de main dans ça qui t'est passé hier soir. Ministre Travaux publics, d'ailleurs nous voyons ça qui t'a passé sur les réseaux sociaux depuis 3h20 du matin, il y a un local qui était un petit monde qui était emballé, c'est un centre culturel qui est dans le gros monde. Équipement de travaux publics qui est arrivé sur place. C'est qu'il est en sorti dans le département Atibonite, ça veut dire, je voulais parler de direction départementale Atibonite, parce que Roumon sont ville dans le département Atibonite, mais qui n'est pas équipé d'engin lourd. Engin lourd arrivé, la nuit là, et pour arriver midi, moi crois que nécessaire de être en fait tout décompte des briques qui gagné dans le centre Sahara, ils ont été évacués. Et moi-même, pendant le passage de mon monde, j'étais campé sur ce site-là même, un site que Travaux publics, qui en deux Comité national de gestion risque avec des assassins, le Premier ministre a été en bas instruction et travail a été fait. Le cadavre-là, il est dans le morgue.
et me profiter vous sympathie bail non seulement parents victimes que me visiter port de paix parents victimes que me visiter Gomonio me profiter vous sympathie bail toutes victimes en général de catastrophes naturelles ça tremblement de terre 5.8 ça qui passait dans le pays hier soir. Et on dit tout, à part le comité national de gestion risque des désastres, nous gagnons direction protection civile. Parce que faut ne pas oublier, comité national de gestion risque avec désastres, c'est là que tout travail stratégique en fait, mais travail opérationnel, c'est dans le niveau direction protection civile. C'est pour ça que nous gagnons docteur Chandler qui est ensemble avec nous là, c'est lui-même qui est responsable protection civile, lui-même est là pour le prendre directive dans le comité national gestion risque avec désastre. Ministre des Affaires sociales là, qui lui-même à pied d'œuvre, à travers FAES, mettait toute qualité, ça que nous avons besoin en matière de la manger, nous comptons ça. C'est un gros problème parce que l'on va comme ça fin passer. Mounio du Osabois. Je connais qu'à travers FAES, il y a une cuisine mobile qui est activée dans le nord-ouest. Il y a une pile ratio alimentaire qui partit tout calé dans le département. Le ministère de la Défense, il y a un premier contingent qui partit avec des militaires qui allaient pouvoir porter concours. Et il y a un deuxième qui est en route, nous avons premier arrivé déjà. Deuxième dans la route. Et dans le niveau ministère de planification, il y a plus de travail qui a fait pour que demain, le premier ministre pour le faire rencontre que le pour le faire avec nos partenaires financiers et techniques et ONG pour que la planification soit en mesure pour dire que mais qui côté nous y est, mais qui ça qui arrivait déjà, mais qui intervention que l'État a fait. Et nous-mêmes, si besoin a bien, mais qui besoin que nous avons bien identifié. Et ça est très important, le ministre de la Planification, moi qu'on est depuis matin, il y a à pied d'œuvre, pour collecter informations pour le capable de mettre un bon document demain devant le Premier ministre pour permettre que le travail de planification soit fait. Trois ou haïtiennes, moi qu'on est. Il y a un pilier fort qui fait, mais il y a une information, il y a plusieurs pochettes sans qui allaient dans le nord-ouest. Plus précisément dans la ville, pour Port de Paix, nous voulons parler de 17 pochettes qui allaient. Et nous profitons de l'occasion pour nous dire tout le monde, tout donneur volontaire, ne pas oublier que le sang sorti dans la Croix-Rouge, les al sauvent frère, les al sauvent soeur. S'il n'est pas remplacé, le ça, l'autre frère et l'autre soeur, ils n'ont pas capable de joindre possibilité pour joindre sans ça, parce que nous connaissons, c'est la vie. Et à part de direction protection civile là, qui lui-même, qui coiffe tout, qui coiffe Koun, nous voulons parler de centre d'opération d'urgence nationale là, qui n'a pas tout prince, et nous y a des coudes à travers les 9 autres départements du pays. Koudio, c'est le centre d'opération d'urgence départementale. Nous sortons dans le nord-ouest, là, plus précisément dans la ville Port de Paix, nous sommes visités le centre d'opération d'urgence départementale. Nous voyons que monsieur Dame est très actif, d'ailleurs, c'est eux qui sont à pied d'œuvre ce département. Hein. Et de Koudio, nous gagnons. Dernier centre d'opération d'urgence, c'est Kouklan, qui centre d'opération d'urgence communale là. Que je connais même, c'est à travers Mairie. Et Port-de-Paix, j'ai eu une chance de rencontrer avec Mairie de Port-de-Paix. Gromon, j'ai eu une chance de rencontrer avec Mairie de Gromon. Et c'est pour ça que je m'ai demandé au Premier ministre pour travailler de coordination qui est par le fait là, pour que Koukyo soit très impliqué dans le travail de coordination ça, pour. Résultat que nous avons cherché, parce que l'État sont seuls liés pour nous capables de bien. Un résultat, côté peuple, j'en ai toujours dit, nous là pour mettre l'État au service du peuple.
pour réellement pour l'État ça, pour le peuple là qui vient de servir ici en temps réel. Pour me finir, je profite de l'occasion pour me dire tout le monde, gardez calme, yo. Suivez consigne. Yo. Toute consigne que direction protection civile me connaît qui a activé, il y a des messages qui a passé sur les réseaux sociaux. Il y a un message qui a passé par compagnie de téléphonie mobile qui vient dans le pays. Dans le département nord-ouest, département nord, département nord-est et dans haut à Tibonite. Dans tout. Je dis tout le monde dans la zone ça. Là, nous avons un problème, nous sommes tendus, si c'est dans la commune ou dans la section communale, ou après à Kazek là, pour Kazek là, à ce moment-là, pour lui, ou avec le magistrat, qui lui-même, c'est lui qui chef opération Kouk là, centre d'opération d'urgence communale. Sous nos communes ou nos villes, ou après à Mérien, le SAA, Mérien lui-même, pour le contacter Kouk là, qui c'est centre d'opération d'urgence départementale, et en temps réel, avec communication, ça que communication, et je vous dis, hein, par exemple, WhatsApp et l'autre forme de communication, direction protection civile, a bien été au courant, et le SAA pour nous agir en temps réel. Parce que moi, qu'on est direction protection civile, a fait pile effort pour qu'à travers 10 départements pays, hein, non seulement nous ayons des ressources humaines, mais nous ayons des ressources matérielles qui permettent que nous intervenions en temps réel pour que les gens qui sont dans 4 départements, c'est comme je dis, hein, aient plusieurs répliques que nous avons pour nous sentir. Mais ce n'est pas ça qui vous fait pour nous prendre en panique, pour gens qui sont en fait dans le port de paix. Moi, on a une quarantaine de monde qui sont blessés, qui sont bizarres. Pas demander nous pour nous qu'il y ait calme, nous, parce que le tremblement de terre là, c'est une catastrophe naturelle qui est liée. L'État au plus haut niveau est avec nous. Nous-mêmes, à ce moment-là, c'est pour nous qu'il y ait calme, nous, pour nous capables de gérer le moment difficile. Ça, et m'a profité à tout partenaire technique et financier nous, que le Premier ministre, là, sous instruction par moi, demain, il vient pour rencontrer tout le monde pour que la planification bien faite, pour ne pas avoir cacophonie, pour ne pas avoir duplication dans l'intervention qui est faite dans la zone qui est affectée. Pour que l'intervention soit faite, pour être bien coordonnée, pour que c'est protection civile qui lui-même vient en charge à travers Koun, Koud et Kouk qui vient à travers le pays. Pour nous dire, parce que le pays, c'est pour nous dire aujourd'hui, nous gagnons en l'État. Que nous avons goûté pour nous mettre au service du peuple. Seul gens pour nous renforcer, c'est le tout ça qu'a fait l'État lui-même, il prend responsabilité et il est au courant pour le arriver jeune peuple là réellement. Je demande à tout le monde qui veut aider, tout le monde, tout philanthrope qui veut aider, si nous n'avons pas arrivé dans le niveau comité national là, mais dans le niveau direction protection civile, que nous allons demander. Protection civile rapidement pour le cap mettons en ligne côté tout le monde qui veut aider, tout le monde qui veut bah, une suggestion rapidement dans le niveau protection civile, nous capables de contacter eux et quoi que PM non pour le travail tout pour que en ligne direct comité national là, il y a des gens qui ont besoin de contacter pour qu'on contacte directement pour que tout ça qu'on fait à travers le pays, c'est l'État qui gère, qui coordonne. Merci un peu. Voilà. Merci, merci. Les téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, nous sommes suivis en direct depuis salle de conférence à aéroport international Toussaint Louverture, la conférence de presse ou le point de presse pour dire mieux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, après visite dans le grand nord pays d'Haïti, côté le terrain lié au niveau de département Artibonite, de département du nord et département du nord-ouest qui était pitouché après passage et tremblement de terre de magnitude 5.9 qui passait à hier soir samedi 6 octobre là, vers 8h12 précisément
Et là, président qui saute toutes données que le gars a mené et annoncé tout ensemble de dispositions qui vient pour prendre et pour y retourner sous tout ensemble de dispositions qui prend déjà demander des populations pour que le gars calme par rapport à ce coup qui va gagner dans leur cap vini là yo et lui demander tout pour que nous capables toujours être en contact avec Cook, Coude et Cugno. Et dernier point président fait, il demandait tout pour organisme yo l'autre structure qui a bien pour que yo intervenu dans le pays par rapport à catastrophe naturelle ça pour que yo capable coordonner intervention yo avec l'État pour que pas gagne duplication qui fait pour que toute aide là aller joindre monde qui en nécessité et pour le produire des résultats escomptés. Voilà donc on résumé de point de presse ça de la part du président de la République son excellence monsieur Jovenel Moïse qui est gagné le premier ministre pays à maître Jean-Henri Séan avec plusieurs autres membres cabinet ministériel. C'est sous notre ça, on a quitté aux amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision d'État, qui étaient branchés télévision pour capable de gagner toute dernière information qui n'est pas avec le tremblement de terre qui passait dans le pays d'Haïti. Studio Delma 33, pour qu'on reprenne la tête.